Peut-être, Damien, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant ou ouvrir tout de suite aux questions dans la salle. Oui, je pense qu'on peut passer tout de suite aux questions. Alors, les questions dans la salle, je vais passer des micros et je vais vous demander d'attendre que le micro arrive chez vous pour qu'on puisse entendre les questions pour faire la traduction, évidemment. C'est qui chante, hein? C'est Tino Rossi. Tino Rossi. Ça aussi, c'est toute une question. Je pouvais peut-être demander, on pouvait peut-être demander à Peng Xiulian pourquoi ce film et comment ce musique et comment ça s'est arrivé dans le film. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai choisi cette musique parce qu'à l'époque, dans le Shanghai de l'époque, tous les artistes de gauche vivaient dans la concession française de Shanghai et ils buvaient du café et mangeaient du pain français et écoutaient de la musique française. Donc. 然后当时这个爱情歌曲在法租界里就非常流行，大家都听这个歌。 De plus, cette chanson en particulier était très à la mode dans la concession française du Shanghai de l'époque. Et donc ensuite, par l'intermédiaire d'amis, j'ai pu trouver un site donc, de chansons françaises où j'ai pu choisir donc, celle-ci, cette chanson d'amour que nous avons donc choisi de mettre dans ce film. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je passe le micro d'abord. Il y a un petit rappel historique, à quelle date exacte ça se passe, parce que l'histoire des Japonais avec la Chine, tout ça, ah, je ne sais pas très bien. C'est 1948, 因为马上就是这是左翼拍这个电影，所以当时的中国那个国民党政府是不许他们拍这样的电影，就这是他们真实的故事。我就采访了当时的那个老艺术家，他们回忆以后拍的这个电影。 Alors ce film, donc Corbeau et Moineau, a été tourné en 1948 et ce film vous propose donc l'environnement de l'époque, l'environnement dans lequel le film a été tourné. Donc c'est un film qui était réalisé par des artistes d'obédience gauchiste et à l'époque c'était le Kuomintang qui était au pouvoir et le Kuomintang n'autorisait pas donc ce type de film. C'est une histoire réelle et c'est une histoire que nous vous proposons dans ce film au travers notamment d'interviews que j'ai pu réaliser auprès d'artistes de l'époque. Une autre question. Juste un petit instant. Pourquoi le corbeau et le moineau? 因为乌鸦与麻雀都是小人物，都是很不重要的，讲的都是上海那个最底层的平民老百姓的生活，所以他们就像乌鸦和麻雀一样，所以当时这个电影就叫乌鸦与麻雀。 En fait, corbeau et moineau, c'est pour désigner le fait que cette histoire raconte la vie de gens tout à fait ordinaires. Donc le nom de ces petits oiseaux est là pour signifier le fait que ce film raconte l'histoire de gens tout à fait ordinaires, de petits personnages. Oui. Daniel, bonjour. Très heureux de vous voir ici. Oui, je pense que vous avez fait ce film, c'est un peu différent de la façon dont vous avez fait le film. C'est un peu différent de la façon dont vous avez fait le film. 像我们，我是中国人，在国内看的这种电影的这种风格，
对，然后画面也拍得非常唯美。然后我看到的就是里面，比如说男女主人公他在情节发展的时候，我觉得中间有一部分感觉很突兀，就是他们的那个感情进展的时候感觉特别的突兀，因为他们刚认识，然后眼神对视一下，然后接下来就很快的就进到比较顺利的那个阶段了。我觉得在那个年代的话是不是有一点不太符合实际。另外的donc j'aurais une question pour Madame Brown. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer ici. J'ai l'impression donc que ce film a un petit côté un peu français, que ce n'est pas un film 100% chinois, ou en tout cas dans le style chinois. C'est un film qui est très beau, mais alors je m'explique. L'histoire d'amour entre le personnage principal, donc entre les deux personnages principaux, finalement arrive de manière un petit peu, en tout cas évolue de manière un petit peu brutale. Ils se connaissent à peine et nouent une relation très très rapidement. Est-ce que c'est une intrigue qui reflète véritablement l'époque ? Oh, 我就讲，他们实际上就是有一点一见钟情，而且因为实际上在现实里面，这个男演员已经是很有名很有名了，所以。他本来就对他有种崇拜嘛，所以他们确实是进入的很快，在拍戏的时候就进入了。En fait, c'est une situation réelle. L'acteur était à l'époque déjà très très connu, donc il y avait déjà une forme d'admiration pour cet acteur. Et c'est une histoire d'amour qui, il est vrai, s'est développée très rapidement, mais elle s'est développée au cours de ce tournage. 实际在现实中更快。是那个男演员看到他的照片就爱上他了。En fait, dans la réalité, ça s'est passé beaucoup plus rapidement, puisque l'acteur est tombé amoureux à la simple vue de la photo de cette femme. Alors, petit rappel, l'acteur c'est Jordan dans la réalité, et il a tourné dans de nombreux films chinois, et des films très très connus, comme Corbeau et Moineau bien sûr, mais Les Anges du Boulevard et d'autres films encore. Alors une question justement, je vais en poser une. Comment elle a préparé le film pour montrer le Shanghai de l'époque ? Et surtout, il y a beaucoup de petites scènes très intéressantes sur la préparation d'un film, avec par exemple cette caméra qui est dans le panier qu'on monte comme ça pour avoir un travelling de haut en bas. Ça, c'est très intéressant. Alors comment elle a cherché ça ? Comment elle s'est, quelles ont été ses ressources ?我为了拍这个电影，我就把他们拍的《乌鸦与麻雀》这个电影看了就看了大概二三十遍吧。Donc pour faire ce film, je dois dire que j'ai regardé Corbeau et Moineau entre 20 à 30 reprises. 然后我就采访了很多当年拍我这个电影，其实在剧本是1997年就写完了，一直找不到钱。所以我一直在采访这些老演员，在丰富这个剧本。J'ai de plus réalisé un certain nombre d'interviews pour parvenir à réaliser ce film. Et je dois dire également que le script était déjà prêt en 1997, mais il m'a fallu rassembler les fonds nécessaires. Et j'ai donc, les années suivantes, continué à réaliser des interviews pour ce film. 所以当时采访的时候，他就跟我们说，有一个演员跟我说，当时他们为了拍这个升降的镜头没有钱。就自己做了这种升降的放在篮子里的，我对这个细节印象很深，所以我们就拍在电影里了。De plus, lors de mes interviews qui étaient réalisées auprès d'acteurs de l'époque, on m'a raconté cette petite astuce, à savoir qu'ils n'avaient pas les moyens de monter le matériel pour des scènes qui se situaient en hauteur, et donc ils avaient mis en place ce système de panier. Et j'ai repris ce détail dans le film parce que je l'ai trouvé très intéressant.当时他们拍的都是黑白电影，所以他们在房间里刷的布景啊，都是只刷黑白的颜色。所以我们在做的时候非常注意，就是保持当年的真实的状态。De plus, nous avons également compris qu'à l'époque, donc les films étaient en noir et blanc, et que tout le décor, par exemple sur les murs, des décors, c'était également des tissus en noir, enfin des revêtements noir et blanc. Donc nous avons respecté au maximum tous ces détails pour rendre ce film encore plus réel par rapport à l'époque.
所以那个我们为了要把这个电影的摄制组感觉特别真实，所以这个电影里演导演的那个演员就是中国一个比较有名的年轻的导演，然后摄影师、录音师、照明，所有这些摄制组的成员都是我的那个摄影队伍里面的 second unit， 是第二梯队的啊，对。De plus, donc toujours dans le souci de pouvoir rendre au maximum la réalité de l'époque, nous avons pris un jeune acteur pour le rôle du directeur, donc de la personne qui fait le film, et nous avons également pris des personnes plutôt jeunes, par exemple pour le photographe, etc. Un grand nombre des acteurs que vous voyez là constituent en fait ma deuxième équipe. Oh, après, 他没有想到他们摄影棚我居然能够这么完全一模一样的表达出来了。Lorsque le film fut terminé, je l'ai proposé au visionnage à l'actrice donc de l'époque, l'actrice qui joue le rôle principal de Corbeau et Moineau, qui vit encore aujourd'hui, qui a 88 ans. Elle était extrêmement émue au visionnage de ce film. Et très ému également de voir à quel point nous avons pu fidèlement reconstituer les studios de l'époque. Donc cette actrice aujourd'hui âgée de 88 ans était d'autant plus émue lorsqu'elle a regardé ce film que la plupart des personnes, une grande partie des personnes donc, qui constituaient l'équipe à l'époque, acteurs et réalisateurs, ont été persécutés lors de la révolution culturelle. Deux d'entre eux se sont suicidés et certains ont été emprisonnés. Le film est remarquable par sa construction et son montage, mais je voudrais poser une question politique là, que vous avez abordée. Est-ce que les références à la censure, à la police, et surtout le discours, par exemple, du jeune prolétaire contre les artistes, mettant en avant sa situation par rapport à ce qu'il suppose de la situation des artistes et des intellectuels, est-ce que ce sont des références à la Chine contemporaine et est-ce que les spectateurs l'ont perçu comme ça ? Alors en fait, je n'ai pas réfléchi autant que cela lorsque j'ai réalisé ce film. Peut-être que vous pouvez voir effectivement un certain nombre de points communs entre la situation de l'époque et la situation aujourd'hui, mais ce que je montre dans le film, c'est bel et bien la situation à l'époque. 因为我去采访他们的时候，他们说，因为要把剧本写好送给政府检查局去检查，所以他们写了一个剧本送上去检查，拍的时候就是另外一个剧本。我自己采访他们的时候，说到这个细节，我都笑了，因为我们现在好多时候也做这种事情。 Lorsque j'ai réalisé ces interviews, j'ai pu apprendre que, en fait, le véritable script du film à l'époque n'avait pas été celui qui avait été soumis aux autorités de censure. J'ai trouvé ce détail extrêmement croustillant et il nous arrive de faire la même chose. Oui, alors je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma chinois, mais j'ai été dans le passé très impressionné par un film qui s'appelle In the Mood for Love, et j'ai trouvé que il y avait beaucoup d'éléments un peu qui s'inspiraient de ce film, l'ambiance, la pudeur des relations amoureuses, la musique aussi, une musique occidentale. Donc je voulais savoir s'il y a une influence de ce film dans votre œuvre. 我都不知道那是一部什么电影。
花样年华，对不对？花样年华。我没看过这个电影。Je n'ai pas vu ce film. 他那电影做的时候，我在美国。 Parce que j'étais aux États-Unis à l'époque. 我知道那个电影，他们花了很多钱做那个旗袍。我当时拍这个电影的时候，因为没钱，所以就是我跟那个服装师两个人就走很多很多很多布店，然后这个都是当时买了，就市场上卖的布以后做的旗袍。 Alors, je sais tout de même que ce film a dépensé une certaine somme pour les magnifiques robes, que l'on appelle donc en chinois qipao, hein, des robes traditionnelles. En ce qui concerne mon film, nous n'avions tellement pas d'argent que nous avons été acheter sur la place publique les morceaux de tissu qui nous ont permis nous-mêmes de fabriquer les costumes. 所以后来我们这里面的旗袍大家都说很漂亮，我们就找了一个当地的裁缝，然后就跟着我们摄制组。 就一直在我们组里做旗袍，做了一个月。 Pour les kipao que vous voyez également dans mon film, elles sont très belles, c'est ce qu'on nous dit. Nous avons donc loué les services d'une costumière et nous avons pendant plus d'un mois fabriqué ces kipao dans le studio. Je suis en haut. Plusieurs intervenants nous ont expliqué ici même ces derniers jours que il y avait une gradation assez fine en Chine entre les films encouragés par les autorités, les films qu'on ne pouvait surtout pas faire et les films tolérés mais sans être interdits et qui étaient moins bien distribués. Dans quelle catégorie se range le film qu'on a venu de voir? Moi, il me semble qu'il n'y a rien qui puisse déranger les autorités, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que votre film est bien sorti? Est-ce qu'il a été bien diffusé? Et si oui, pour quel succès? D'autre part, à propos du Corbeau et du Moineau, vous nous avez dit que c'est un film marquant, majeur, qui a distingué un avant d'un après, mais... Est-ce que par les jeunes générations, ce film est connu ou simplement par les historiens? Et le cas échéant, est-ce qu'il passe de temps en temps sur les chaînes chinoises ou est-ce qu'il faut être un cinéphile éclairé pour réussir à le voir? Je vais répondre à la première question. 思想的电影. Alors en fait, il y a deux sortes de films que je fais. Il y a bien sûr des films qui obtiennent les deniers du gouvernement et j'essaye bien sûr de faire des films qui ne seront pas soumis à la censure. Mais en même temps, je fais aussi des films qui puissent manifester et rendre compte de ma pensée et de mon point de vue. 然后我自己如果花一点钱拍的电影，那我就什么都不想，只拍我自己想拍的电影。Ensuite, lorsque ce sont des films que je finance moi-même par mes propres moyens, je vais chercher de l'argent. À ce moment-là, je ne pense à rien d'autre qu'à rendre compte de mon état d'esprit ou de mon opinion. 那就比较困难，因为钱都用完了，那电影有时候拍的就很艰难。 C'est très difficile hein, parce que c'est difficile de trouver ces deniers et c'est difficile donc de faire des films. 我这个电影发行一般，因为还没发行的时候，我发现上海大街上、北京大街上到处都在卖盗版的 DVD. Et en fait, je me suis rendu compte que pour ce film en particulier, avant même qu'il soit largement distribué, il y avait des copies et à Pékin et à Shanghai. 后来我问那个卖，我在那个马路上问他们，我说你这个卖的好吗？他说卖的很好，我这个礼拜已经卖掉1000多张了。J'ai ensuite demandé à un de ses revendeurs, alors ce film vous le vendez bien? Il dit, super, on en a déjà vendu 1000 exemplaires cette semaine. 所以后来我就自己也买了10张送朋友了。Donc après moi j'en ai moi-même acheté pour en faire cadeau. 因为我知道如果上电影院，肯定上去2天就骗子就下来了，不会看到了，我赶快买了就送人吧。 Parce que je savais aussi qu'une fois sur les écrans, au bout de 2 jours, l'effet serait passé, donc j'en ai acheté pour les offrir.
第三个问题我还没回答，就是说，因为我刚刚那个问题还没回答，就是说，那个乌鸦与麻雀这个电影啊，因为中国对老的历史电影都说的不多，不要说年轻人不知道，就是管电影的领导也不知道。我把这电影放给他看的时候，他说，你为什么要拍里面的老片子？我说，因为乌鸦与麻雀非常重要。 Et en fait, bon, pour, en ce qui concerne votre dernière question sur ce film, en fait, il est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup l'histoire du cinéma chinois. Alors, on ne peut pas dire que c'est seulement la jeune génération qui ne connaît pas ces films-là. Certaines personnes assez éminentes, des dirigeants même, ne connaissent pas non plus ce film, c'est-à-dire Corbeau et Moineau, et sont même très surpris lorsqu'ils découvrent que c'est sur ce film précisément que j'ai axé mon œuvre. Une question personnelle, j'ai la curiosité pour savoir qu'est-ce que vous avez appris aux États-Unis, comment vous avez traversé, je ne sais pas à quelle époque vous étiez aux États-Unis, parce que quand je vois ce film, je vois la thème qui est très important, c'est-à-dire par rapport à un pays communiste, c'est-à-dire il y a la relation entre la vie de prolétariat à manger. Par exemple, ce petit personnage, c'était lui qui est le traître. Parce que ce petit personnage, c'est garçon, c'est lui qui a joué le traître, Pantou, comment dire. Voilà, ça, la raison, c'est parce que voilà, vous faites le film, c'est revu aux gens qui a assez, comment dire, qui n'a pas souci de la vie quotidienne à manger. Voilà, il y a cette question-là, c'est-à-dire. Voilà, je parle un peu trop loin, c'est-à-dire en Chine, il y avait cette révolution culturelle qui culpabilise beaucoup les intellos, les artistes. Mais est-ce que par rapport à votre vécu aux États-Unis, est-ce que ça vous traverse quelque chose, je ne sais pas. 都没有这个意思，这是一个真的故事。然后叛徒也就是这么一个穷人。 En fait, non, rien de ce que vous venez de dire ne traverse véritablement ce film. C'est une histoire vraie. Ce traître était effectivement un pauvre, quelqu'un qui n'a pas de moyens et qui est nourri par une haine.因为我在美国，我觉得，美国给我最大的教育是什么？我就学到了technical，我觉得我学的非常好，而且我觉得我的电影语言和整个的，就是说对电影看的就越来越open，没有，就什么，我没有什么商业片、艺术片这种概念，我只有好电影和不好看的电影的区别。我觉得在那里头，人就视野就很开阔，而且学到了很多真正的技术上的东西。 Les principales leçons que j'ai apprises aux États-Unis, ce sont tout d'abord une bonne formation technique au niveau donc de la réalisation de films. J'ai également acquis une véritable ouverture d'esprit quant au cinéma en général. C'est-à-dire que je n'ai pas d'inclinaison plus commerciale ou plus artistique ou de parti pris commercial ou artistique. Je regarde un film, il est bon ou il n'est pas bon. Alors, il y a un sujet qui revient souvent dans sa cinématographie et quelque chose qui touche beaucoup, en tout cas son point de vue, c'est la condition féminine chinoise. Et là, dans ce film-là, on voit l'actrice principale, donc la principale protagoniste, qui est complètement enchaînée aux décisions de son mari. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer par ceci et quelle était la situation des femmes à cette époque?
对对对，因为我觉得，我一直拍的电影，我的主角都是女的，而且我的女的都是非常独立的，所以我觉得大概在中国，我算属于真的很自觉的女性导演。 Il est vrai que dans mes films, les acteurs principaux, les rôles principaux sont tous des rôles de femmes. Et en plus, ce sont toutes des femmes très indépendantes. Donc, dans le paysage du cinéma chinois, je suis vraiment une femme très déterminée sur ce point. Lorsque j'ai pris connaissance de ce film et de l'anecdote autour des anecdotes autour de ce film, j'ai trouvé cette femme très indépendante. Parce que même si dans sa famille, la famille était très très riche, il n'y avait aucun manque à ce niveau-là, elle a quand même voulu elle-même gagner son propre argent. Donc elle a voulu suivre son chemin et elle a voulu également vivre pour ses propres exigences. Elle a refusé d'être, en somme, d'être une femme au foyer. Donc ça pour moi c'est très très important et... En fait, je pense que la situation, enfin que ça devrait être comme ça dans la vie. Mais vous savez, un certain nombre de jeunes sont venus me voir et m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que cette femme, elle poursuit, enfin, pourquoi est-ce que cette femme courtise cet autre homme alors que son mari est absolument fantastique? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle choisisse cette route très indépendante ?» 现在中国就没有几个女导演了，都是男导演。那女的好像就是讲一个女人幸福不幸福，就是看她能不能嫁一个有钱的男人。我觉得特别奇怪，现在整个的中国这种女性独立的意识越来越缺乏了。 Lorsque je suis revenue des États-Unis, lorsque je suis rentrée des États-Unis en Chine dans les années 90, il y avait encore pas mal de réalisatrices femmes. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. La plupart sont des réalisateurs hommes. Aujourd'hui, en fait, une femme est considérée heureuse si elle arrive à mettre la main sur un homme riche. Et la conscience de cette indépendance pour les femmes, malheureusement, est en train de baisser en Chine. 所以在讨论的话题都会是，我都不知道小三怎么说，就是就包二奶、小三，这现在都是比较热门的话题，就是女性独立都觉得是个很奇怪的事情。Aujourd'hui, donc parler de l'indépendance des femmes en Chine, c'est devenu quelque chose de très très bizarre, puisque on considère plutôt la femme comme sa maîtresse ou une femme au foyer. Bonsoir. Et par rapport à votre choix des acteurs et à la façon dont vous les avez dirigés, parce que ça nous paraît très proche du théâtre et des rapports entre le monde du théâtre, justement. Voilà. 对对对，他们都是话剧演员。En fait, ce sont tous des acteurs de théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux principaux protagonistes, donc Xia Yu et l'actrice, en fait, sont en couple dans la vraie vie aussi. Ils ont des enfants, si je me trompe. 对，其实我觉得这个女的比较适合演这个角色。 这个男的跟赵丹形象有点缺，当时就因为他们本身是夫妻，他们觉得在发行的时候做宣传比较有话题，所以坚决要用这个男的。
En réalité, donc, il est vrai que l'acteur principal ainsi que l'actrice principale sont dans la vie réelle un couple. Elle représente très très bien la femme de l'époque.